Et salut tout le monde, c'est Aznav et je suis avec Tite pour le 10e épisode de Source Kingdoms saison 3. Hello Tite. Salut. Ça va? Ouais, ça va, ça va. La pêche. Où es-tu? Moi je suis là. Oui, ah, j'ai trop donné ta pioche en fer. Voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas. Je vais mettre cuir. Oui, il est. Oui, ce que t'as trouvé. Non, il y a pas encore de, enfin, il y a plus de creepers, pardon, autour de nous. Il y en aura si tu descends, tu sais de ce dont je viens de te parler, la petite. Oui, mais vu que tu seras en bas, j'ai pas envie de te laisser le camp seul, ah, ouais, tu vois. Je vais déjà aller me recrafter une pioche en fer, donc comme j'ai dit. D'accord. Okay. Et puis je pourrais peut-être crafter des escaliers et faire ça plutôt que d'aller. Ouais, non, c'est quand même la priorité d'aller. Oui, bah si on a l'avantage matériel. Parce que l'avantage, parce que là, c'est six, si. On a 6 fers, plus 5, 11. Donc. Parce que si on a. Si ah, tu fers, veux, si on a assez de fers pour se faire un équipement complet, si on perd. Si on perd. Oui, non, mais comme ça, c'est, si on meurt et si on a le moyen. Ce que je veux dire, c'est si on meurt et si on a le moyen de. De se refaire un stuff tout de suite hein, pour riposter, c'est. Ouais. C'est tout bénef pour nous. Ouais. Ouais. Elle est comment toi ton armure? Il manque. Alors, il y a. Elle est un chouïa abîmé, mais vraiment un chouïa. Il manque le casque. Ok. Bah non, pas le casque. Ah non, c'est ton skin. Oh, bon, mais... Non, c'est mes cheveux. Ok. J'avais même pas distingué. Tiens, je te passe ça tant que l'autre est pas pété. D'accord. J'hésite à la prendre, je préfère pas. Ah, ou on échange, parce que c'est toi qui mine. Oula. Vu que c'est toi qui mine, prends la neuve. Ouais, mais ouais. Oula, fais attention. Hein. C'est bizarre, il meurt plus vite d'habitude. Il y en a deux en plus. Et lui, je l'ai eu en deux coups, l'autre en cinq, normal. J'ai plus que deux cœurs, je vais vous faire un coup. Oh bordel. Ok, bon. Bah j'ai voulu passer à travers la muraille et en fait il y avait un trou. Ah. Mais j'ai mon stuff donc ça va. D'accord, regardez-les qui trollent. J'ai vu ça. Alors on ferme le trou. pas retomber dedans, on remet l'armure, ça va, je l'ai à peine usé en tombant. Bah non mais tu sais que oui, depuis c'est peu ça, je me disais. Ça... Il a enlevé des certains dommages que oui bah les dommages de chute n'affectent plus du tout en fait l'armure. Donc on échange ça. Et on dirait un joli petit papy parce que t'as le pantalon remonté jusqu'au nombril. Ouais, c'est vrai. Allez tiens. Voilà. Et je vais me chercher qu'est-ce qui me manquait? Oui, une épée en fer. J'en avais posé une dans les coffres. Oui, parce que t'avais ton épée en fer, oui. De... Je m'étais pris épée en pierre pour essayer de trouver son passage, quoi. Oui, quoi, avoir un minimum adéquat et sans utiliser de gros moyens, quoi. Parce que, ouais, qu'est-ce que si tu le perdais. Ouais, j'aurais pas l'air, quoi. Oui, plutôt oui. Voilà, attends. Le truc en pierre dans le coffre bien visible. Tu sais quoi, je. On a 36. Ah, tiens, il s'amuse à faire pousser des champignons. Ok, bon, bah tout va bien. Je t'avais filé des pousses d'armes, tu les as posées. Ah non, tu sais quoi là, je vais descendre et je vais les planter, d'accord? Ouais, ok. Non. Hop. Première fois. Oh! Je me fais frapper par un. J'entends. Ah! Parce qu'en fait là, je suis dans l'eau, à contre-courant, dans un trou, et le squelette est en train de me défoncer. Ah là, j'ai jeté de la falaise, c'est bon. Ouais, tout va bien. C'est un des aspects très pratiques. Comme ça, je reconnais un peu le terrain. Voilà, je plante les arbres. Ouais, ça te permet d'avoir un petit aperçu. Voilà, je plante les arbres histoire de. Là, donc comme ça, je regarde où est-ce qu'ils peuvent nous attaquer et les endroits où ils peuvent pas. Ouais. À peu près, donc. Je vais quand même suivre le chemin d'Alexandre. Pour essayer de retrouver si j'y arrive un chemin vers leur base. Là tu as un gros arbre que t'as pas complètement coupé, je vais te le finir comme mais ça on a tu peux pas parce que tu devrais poser des blocs et tu peux pas. Ah mais c'est très juste. Ouais, ça c'est une des règles que tu te dis bon bah je vais poser un bloc pour le filtre normal et ben
T'as pas le droit. Non, mais je vais casser les feuilles. Ouais, pour avoir des pousses au moins. En fait, on peut avoir des pommes maintenant, si t'arrives à en avoir. Bah non, parce qu'on n'est pas sur la pré-release. Non, non, mais c'est en un point. C'est en un point, hein. Ouais. Tu es certain? Oui, oui, j'en ai déjà eu. Oh, d'accord. C'est très, très pratique. Oui, bah oui, j'imagine. Bon, je te prends un peu de respawn quand même, au cas où. Oui, on sait jamais. D'accord. Bon bah là, jusque là, on est pas trop mal. Après, ça a un petit stress, c'est qu'on sait pas vraiment. Non mais on sait pas vraiment lequel. Enfin, je veux dire. Oui, quand est-ce qu'ils vont attaquer? Non, c'est parce que quel matériel dispose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis on n'a pas le. Enfin, si on a le droit, si on arrive à s'introduire dans leur base, on a le droit de regarder dans leur coffre, mais on n'a pas le droit de leur donner. D'accord. Même si tu pètes leur salle des coffres. Même si t'arrives à être chez eux alors qu'eux ils y sont pas, t'as pas le droit de venir. D'accord. Y a absolument aucun matériau par terre, c'est un truc de fou. Tout le couloir que je mine là. Mais bon, j'ai plus d'un demi-stack de redstone, ça pourrait servir. Oui, voilà, c'est suffisant. Parce que... le truc qui manque terriblement pour faire une vraie salle des coffres, en fait, c'est des slimes. J'en ai vu aucun dans aucune des saisons. Alors, je peux te... comment dire? Bah, je sais, c'est selon les chunks, mais si tu veux, il n'y a aucune vraie caverne. En fait, je t'explique, tu vois, en fait, c'est... Tu sais, avant, il y avait des biomes à slim. Maintenant c'est par chunk, il me semble. Oui, maintenant c'est que tous les chunks de la carte, et bah ils ont la génération du monde a un pourcentage de chance de devenir un chunk à slim. Et puis dans une salle suffisamment grande, et bah les slim pop par milliers dans ces chunks. Mais c'est, tu sais, c'est de l'ordre d'un chunk sur 4, hein, quelque chose comme ça. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. Ouais, mais ça m'empêche pas que j'en ai trouvé aucun. Oui. C'est après un petit coup de chance hein, qu'il faut avoir. Ouais. Ah oui, donc ça c'est bon pour nous ça. Non, j'ai rien trouvé, mais tu sais là la petite crête là qui permet de rejoindre les deux camps. Ouais. Ouais. En fait, chez nous ils peuvent y aller que par deux petits chemins. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc pour la Là, tu sais que s'ils ont. Je pense que vous avez dû creuser pour pouvoir rendre les chemins accessibles. Ouais, certainement. Ouais. Ouais, ça fait. Oui, à deux endroits, ça fait des petits escaliers comme ça. Ouais. Et ça limite beaucoup leur champ d'action quand ils attaquent chez nous, donc ça, pour notre défense, c'est plutôt intéressant. Ouais, on peut faire quelque chose avec pour empêcher d'y aller. Pas poser de bloc, non mais je veux dire au niveau de la défense, comme ça on se met en haut du chemin avec l'arc par exemple. Ouais, et puis on va les snipe d'ici. Et comme ça on les vu qu'ils sont obligés de monter par les escaliers. Ouais, je veux dire. Bon après là ils ont pas l'air de trop attaquer. Hein. Ouais, mais apparemment ils doivent être en minage, oui, sûrement, mais je veux dire en manque de fer, parce que Arcanios, il a le même stuff que toi, un pantalon-pied. C'est parce que je l'avais malheureusement équipé. Oui, mais s'il n'a pas le stuff complet, c'est sûrement qu'il soit en manque de fer. Ouais, c'est ouais, vrai. C'est vrai. Jouer avec ça, c'est vrai. Donc, après, c'est... Je connais beaucoup Arcanios, on a déjà fait des trucs l'un contre l'autre. Ouais. Il faut se méfier pas mal hein, parce qu'il peut faire j'ai pas beaucoup d'armure et puis au moment de l'attaque il sort le diamant qu'il avait dans le coffre hein, qu'il avait bien caché, qu'il faisait bien croire que... C'est pour ça à mon avis faut pas trop se fier à ce genre de... Oui à l'apparence mais c'est toujours bon à savoir quoi. Ouais bah ouais. Peut-être qu'il s'en manque de faire mais c'est pas du tout sûr. Oui. Et puis à l'inverse, hein, le fait que si ils ont vraiment en manque de fer, le fait que moi je suis en full armure pratiquement, et puis avec mes cheveux, hein, ça fait une petite pression quand même. Ouais, voilà. Je comprends. Faut retenir ça quoi. Bon, il se peut qu'il soit en manque de fer.
Oui, il se peut, oui. En gros, y a rien qui nous indique hein, qu'ils en ont à profusion. Hein. Ouais, ouais. Et faut que je trouve le chemin pour rentrer dans la maison. Bah tu casses, tu casses. Ouais, mais à chaque fois que je cache, je tombe sur un double mur. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai trouvé. Ok, donc je suis à l'intérieur. Je vais éclairer autour du puits hein, parce que j'ai pas envie qu'il y a des monstres qui pop. Ouais, ouais, ouais. C'est juste, j'ai pas éclairé. Il fait, c'est quelle heure dehors? Il pleut et il fait nuit. Ok. Voilà. C'est toujours... Oh bordel, excuse-moi, hein, mais j'ai encore entendu une trappe, c'est toi? Oui, c'est moi encore. J'ai un mental à tour. Ah, eux, ils font... Non, ils ont bien... J'ai l'impression d'être à côté, tu sais. D'accord. Tu sais quoi? Non. Ils sont en train de faire un truc vraiment, mais vraiment pas du tout débile. Ils font quoi? Ils font pousser les arbres dans leur camp. Ah ouais, c'est pas cool. Avec de la bonne miel. Alors, je vais regarder si on n'a pas... On a des os. On a des os, et ben voilà. Pas beaucoup, mais je dois en avoir sur moi, j'en ai deux. Je vais regarder dans la fontaine, enfin dans la fontaine, dans la salle des coffres, quoi. Ouais, ouais. Je vais regarder. Est-ce que ce serait plutôt... Ah, je crois qu'il y a une araignée qui m'a vu et qui... Ah, il y a un seul os, je crois. Qui m'a vu et qui est... Tu penses qu'il y en a qu'un seul? Ah non, il y en a 10. J'ai rien dit. Ouais, parce que c'est séparé encore une fois avec les trucs précieux et pas précieux. J'en ai mis un pour faire genre, tiens, t'as vu, on a un os. Ah, bordel, mais il y a que des squelettes, je trouve aucun creeper. Donc, je crois qu'il y a une araignée qui me cherche en fait. Donc, c'est quoi, il est invisible. Bordel, attends, il y a un squelette qui me tire dessus et qui est invisible. C'est quoi ce bug? Ah, je me fais taper dessus par une araignée. Voilà. Attends, je décore Covid fait, hein, parce que là, c'est. Juste ingérable. D'accord. Parce qu'il a... bah non, il est pas là. Donc, ouais, je disais, donc je vais. Ce que je vais faire tout en haut de la tour, je vais mettre un bloc de terre. Ouais. Avec une pousse d'arbre. Mais je peux récupérer les pousses. Je peux casser les pousses d'arbres que j'ai plantées. Si elles ont pas poussé, bah oui. Oui, bah ou oui, t'as fait une. Fais la. Ouais, non. Ah, bon, parce que c'est moi qui l'ai posé, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Je récupère au moins une pousse, comme ça je la fais pousser dans le camp. Voilà. Bon, je trouve un petit peu de fer, c'est pas mal. Mais aucun diamant pour le moment. Bon, tu me diras, je suis beaucoup trop, là je suis à plus de 40. Mais ah, essaye de descendre un peu, hein, parce que. Ouais, mais j'essaie vraiment aussi en même temps de trouver leur. Leur mine. Ouais, parce que quand il y a accédé, il a pas pu refermer, donc c'est peut-être un peu caché, mais je n'ai pas l'idée. D'accord. Alors j'explore un petit peu en même temps. Bon, hop, je vais faire pousser des arbres, hein, ouais. Parce qu'on est un peu en manque de bois là. Ouais. Puis comme ça, je vais pouvoir placer des blocs pour aller rechercher vu que c'est dans notre base. Mmh. Ouais, c'est bien. Et il ne veut pas pousser. T'as utilisé toute la bonne mine? Non, j'ai utilisé deux. Et tu as peut-être pas assez de place, mais le un bloc plus haut. Il est en haut de la tour. Ouais, je me doute bien, mais essaie de le mettre sur un bloc. Il est peut-être à la limite de hauteur. Je vais regarder, je suis à combien. Ah oui, c'est vrai, il y a la limite de hauteur. On est très très haut, oui. Mets-toi sur le puits, peut-être. Oui, c'est ce que je vais faire. Ouais, ah ouais, à la limite de hauteur. J'avais oublié qu'on était si haut. On est vraiment très très haut. Hop. Non, pas comme ça. Ça me fait gagner deux blocs. Voilà, comme ça. Hop. Ah, ça marche tout de suite mieux, là. Une seule bonne mine, paf, ça pousse. Pourquoi s'en priver? J'ai trois os sur moi. Hein. D'accord. J'ai crafté en 9 bonnes mines, comme ça je peux passer. C'est quoi ça? Attends, qu'est-ce que c'est que ce matériau? Dis-moi. Il y a une pierre bizarre. Elle ressemble à quoi? C'est de la stone, si tu veux, mais elle est d'une couleur différente. Bah, ça va être toute noire, c'est que c'est de la bedrock. Elle est pas toute noire, elle est rose un peu. La redstone. Non, bon, écoute, j'essaie de miner, j'espère que c'est pas une pierre. Aïe, allez, je me fais attaquer par un squelette. Bon, c'était juste un bug. Oui, je pense que ça doit être un bug de lumière. Ouais. Bah, ça va. Sur Minecraft, j'ai pris l'habitude. Bah, même des bugs en général. Hein. C'est un tout petit peu codé avec les pieds quand même.
Mais non, j'ai rien dit. Moi, je sais que tu m'as vu. Disons que c'est des remarques affectueuses. Voilà. Et Notch est très gentil. Bah d'ailleurs, il bosse plus sur Minecraft en ce moment. En ce moment, ouais. Enfin, il a délégué à Jeb, mais à mon avis, il continue, hein. Tu sais, il est pas... Bah, tu sais qu'il y a eu un interview de Jeb, hein, sur Minecraft. Enfin, s'il a été... Il m'a dit, là, il y a pas longtemps. Je sais plus c'était sur quoi, mais de Jeb. Il disait que Jeb a le total lead oui, sur... Je sais, mais lui, il continue à proposer ses idées, hein. Oui. Bon, de toute façon, oui, je pense que oui, niveau idée, de toute façon, oui. Qu'est-ce qu'il vient de me taper là, c'est un squelette. Ah, disons que c'est... Des squelettes, franchement, c'est abusé. Je trouve rien d'autre. Par contre, je commence à me perdre, j'étais pas trop méthane. Ah ouais, je... Oula, il a une épée en diamant. Oh bordel. Je sais pas c'est lequel des deux. Écoute, j'ai beaucoup de fer. Enfin beaucoup, genre, ouais, 37. C'est Zelvac, je crois. Je crois que c'est Zelvac qui a une épée en diamant et qui se dirige sur la crête. Nom ou au skin. Bah non, je vois pas. Écoute, si jamais il y a vraiment une urgence, on fait ce qu'on a dit, on fait sauter le. Bah disons qu'il y a un stuff fer avec une épée en diamant. T'as de quoi le tuer ou t'as pas assez de stuff? Bah disons que j'ai même pas de casse de fer. Et si je joue sur la défensive avec l'arc, oula. Oh pardon. Bordel. C'est plausible, mais. Disons que... Voilà. C'est risqué. On va l'épée en diamant, c'est quand même... Disons que... Bah, moins depuis la 1.0, parce qu'elle est passée de 5 heures de dégâts à 3,5. Donc ouais, c'est déjà... Ouais. C'est déjà un peu plus simple, mais... Voilà, mais bon. Je pense qu'à partir de maman... Maman, oui. À partir de maintenant, on devrait jouer plutôt sur la défensive. Ouais, écoute, pas... Je vais essayer de remonter. Oui. Alors le problème là, ce qu'il faudra gérer, c'est parce que là ils ont le pouvoir de l'attaque, de pas montrer nos faiblesses et de, en même temps, ouais, pouvoir défendre et miner. Pause. Voilà, désolé. Pas de problème. Le jour se lève. Ok, j'essaie de remonter. Et bien écoutez, ça va être tout pour cet épisode. Je suis beaucoup perdu. Non, là, je suis revenu sur mes pas. Et dans le prochain épisode, bien je remonte. Allez, ciao tout le monde. Salut.